Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité internationale. Nous démarrons par le Togo. Les évêques invitent Faure Yassingbé à ne pas promulguer la nouvelle constitution. Ils ont exhorté le président à sursoir la promulgation de la loi et à engager un dialogue politique inclusif. Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, élu dès le premier tour dimanche 24 mars 2024, devrait entrer en fonction le 3 avril prochain, avec un programme de rupture pour tenter de relever d'immenses défis comme l'alimentation, la dette et l'emploi. En RDC, les autorités ont dépêché à la prison de Makala un haut magistrat lundi 25 mars 2024 pour constater le problème de la surpopulation carcérale. Une demande qui intervient après la libération du journaliste Stanis Boudjakera qui a pointé ce problème dans la prison centrale de Kinshasa. Une déclaration du journaliste a provoqué une réaction en chaîne jusqu'au sommet de l'État et mise en lumière la situation d'un détenu hors du commun en arrestation depuis 21 ans. En Tunisie, l'Association des étudiants et stagiaires africains annonce être sans nouvelles de son ancien président depuis le 19 mars 2024. Elle s'inquiète d'une possible arrestation arbitraire alors que le jeune homme était connu pour son activité militante. Des dizaines de lycées du sud de la France ont été visés par des menaces d'attentats dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 mars 2024, donnant lieu à des opérations, voire à des évacuations. Cette fois, c'est le sud de la France qui est concerné, notamment les académies de Marseille et Nice, alors que les 130 établissements à Paris et dans le nord avaient été pris pour cible la semaine précédente. Au moins 8 personnes ont été tuées dans le sud-ouest de la Colombie depuis le début d'une offensive de l'armée colombienne contre la principale fonction de la résidence des FARC après la suspension de la trêve décidée par le gouvernement. Chers téléspectateurs, finissons par le Venezuela où l'unité de l'opposition est mise en mal. Parmi les candidats qui vont concourir à l'élection présidentielle du 28 juillet prochain figure l'actuel président Nicolas Maduro. Il compte ainsi briguer un troisième mandat à la tête du pays. Ce sera tout. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.